comment ça va? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Ok, est-ce que tu peux nous faire un retour rapide de cette malheureuse défaite à Nice? À Nice? Ouais, alors contre Nice, on n'a pas très très bien démarré dans le premier set, et on a réussi à revenir par contre, et malheureusement à la fin du set, on n'a pas réussi à finir les points importants, et on menait 22-18 même. Et du coup, je pense qu'on n'a pas réussi à passer à autre chose, et du coup on a mal démarré, très mal démarré le deuxième set. Et ça nous a vraiment foutu un peu dans la merde pour la match. Ok. Merde. C'est une défaite, mais il n'y a pas de péril en la demeure. Le groupe va toujours bien, aime toujours non, bonne non, ambiance. Non, le groupe bien. C'est malheureusement la blessure de Toafa aussi dans le troisième set. Elle fait mal. Surtout dans un match qu'on perd, quoi. C'est vraiment le petit bout en plus. Toafa donc va forcément pas jouer vendredi vu qu'il est blessé. C'est Lucas qui va remplacer Toafa. Ça te fait plaisir de rejouer ou de jouer avec Lucas vraiment là, tous les deux, vous allez démarrer le premier set vendredi face à Chauvin? Bah, c'est sûr, ça fait plaisir un peu parce que quand même, il faut avec Lucas. Je pense qu'il va pouvoir, apporter vraiment bien. Il fait tout le temps des bonnes choses depuis le début de l'année. Donc je pense qu'il peut avoir sa chance et il peut bien s'exprimer. Donc. Surtout, vous avez une relation quand même en équipe de France ou Ouais, on a été en équipe de France un peu ensemble. Moi, j'ai pas fait toutes les sélections, mais pareil, la relation avec Pierre, ils sont bien rodés. Donc ça, je pense que ça peut aussi apporter. D'accord. C'est pas mal. C'est une bonne chose, on verra ça. C'est bien que tu parles de Pierre. Pierre, il a signé son contrat pro l'année dernière. Et ouais. Toi, tu viens juste de le signer, là, il y a quelques jours. Contrat ouais. pro, donc contrat pro au Spessers Volley Toulouse jusqu'à fin juin 2021. T'es fier, non? Ouais, ça, franchement, ça fait plaisir. Ça fait, ça concrétise un peu tout le processus. Mais après, au quotidien, ça change pas grand-chose non plus. Qui, c'est le club qui t'a contacté à ce sujet-là, qui ouais, en a parlé dès le début. Ouais, c'est le club, par le biais de Sapi. Mmh. Et donc voilà. Après, j'ai discuté avec les dirigeants et on est arrivé à un accord. Ok. T'as signé donc jusqu'en juin 2021, mais t'as signé pointu ou réceptionnaire attaquant? Plutôt pointu. Ouais. Plutôt pointu, mais dans tous les cas, je vais continuer à faire de la récep, faire des spé récep, et je pourrais rentrer en récep pendant les matchs. Et s'il y a besoin d'apporter en récep 4, je pourrais apporter en récep 4 aussi. Très bien. Un petit mot sur Chaumont. Est-ce que vous avez déjà un petit peu étudié l'équipe ou pas? On n'a pas fait de vidéo encore, mais Chaumont, c'est toujours très bonne équipe. Donc, surtout, vous connaissez un certain André Ratke qui joue aux Spessers l'année dernière. Ouais, là, Papich, pas l'appel Papich. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien chambrer un peu dans tous les sens. Non, ça va être sympa. Ça va être...